Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée aux neurotransmetteurs où je vais vous parler d'acétylcholine. L'acétylcholine qui est indispensable pour la mémoire à long terme et si vous avez actuellement du mal à vous rappeler de certains souvenirs, à mémoriser des noms, que vous avez l'esprit un peu brouillé, un peu confusionné, que vous n'arrivez plus à avoir de créativité ou d'inventivité, eh bien vous avez certainement une carence en acétylcholine. L'acétylcholine intervient de deux manières. D'abord, elle intervient en tant que neurotransmetteur, et ça, c'est un rôle très, très intéressant parce que quand vous manquez d'acétylcholine, vous manquez d'empathie. Un petit peu comme la sérotonine où vous êtes tourné vers les autres, ben, l'acétylcholine vous permet de comprendre les autres parce que c'est vraiment une hormone liée sur la concentration, la mémorisation, l'ouverture vers l'autre, et c'est l'empathie, comme je disais. Quand vous êtes dans l'acétylcholine, ben vous êtes quelqu'un de créatif, d'authentique et de naturel. Je suis énormément dopamine, mais j'ai beaucoup beaucoup d'acétylcholine. C'est ce qui fait mon côté généreux, mon côté authentique, mon côté spontané aussi, qu'on retrouve un peu dans la sérotonine, mais surtout on retrouve l'authenticité dans l'acétylcholine. Alors que les gens qui manquent d'acétylcholine sont déjà pragmatiques. Les chiffres, c'est le cerveau gauche, alors que l'acétylcholine, c'est le cerveau droit. L'acétylcholine est aussi indispensable donc au système parasympathique. Quand vous êtes avec de l'acétylcholine, vous pouvez avoir le frein qui vous permet de sortir du système adrénergique qui est adrénaline, adrénaline, noradrénaline. Le système parasympathique, c'est ce qui détend. Et quand on est détendu, on fabrique bien évidemment et on libère de l'acétylcholine qui est caractéristique des états Alpha, les fameux états d'auto-hypnose ou les états hypnoïdes. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous manquez de concentration, de clarté d'esprit, d'idées, de créativité et que vous êtes confusionné, vous pouvez rajouter quelques compléments alimentaires ou changer votre alimentation pour pouvoir retrouver votre puissance de créativité et l'esprit tout à fait ouvert. Je vais vous expliquer comment. Deux produits principaux la L-carnitine, bien connue donc des, des sportifs et surtout des gens qui pratiquent des sports dans les salles, parce qu'au niveau de la musculation, on utilise beaucoup la L-carnitine qui permet de brûler les graisses et d'augmenter le muscle, et la fameuse colline. parce que acétylcholine, ça veut dire que, à la choline qu'on retrouve dans le jaune d'œuf essentiellement, on a rajouté un groupement acétyl. Je vais tout vous expliquer et je vais vous dire comment vous pouvez retrouver un super niveau et un super dosage d'acétylcholine. La choline est, est un nutriment essentiel. Ce n'est ni une vitamine ni un minéral, mais elle est souvent associée au complexe de vitamine B. C'est un précurseur des phospholipides, on la trouve dans le jaune d'œuf, et notre foie en produit des petites quantités. Mais on a besoin d'avoir des quantités plus importantes dans l'alimentation. Dans le foie de bœuf, dans le poulet, les œufs, le saumon, les choux-fleurs, les brocolis et l'huile de soja. Une carence en colline crée souvent une stéatose du foie, c'est-à-dire le foie gras, une montée de tension et un durcissement des artères. La colline intervient dans le rôle du transport et de métabolisme des lipides et du cholestérol. L'acétyl-L-carnitine, elle, permet de faire fondre des graisses et vient de deux acides aminés, qui sont la lysine et la méthionine. Elle permet d'agir dans les insuffisances cardiaques, dans l'angine de poitrine, dans la maladie d'Alzheimer, et elle transporte les acides gras à longue chaîne à l'intérieur des mitochondries permettant la production d'énergie sous forme d'ATP. Elle permet également le fonctionnement des muscles et du cœur. On la trouve dans la viande rouge, l'avocat et le tempé, et il en faut dans les 150 à 200 mg par jour. La vitamine B5 est indispensable parce que pour produire l'acétylcholine, il faut la choline, la carnitine et la vitamine B5. On trouve la carnitine dans la levure de bière, la vitamine B5 dans le pain et saignin. Et cette vitamine B5 va permettre de synthétiser les hormones stéroïdes, donc essentielles pour la testostérone, la vitamine D et les neurotransmetteurs, en particulier en plus de l'acétylcholine, la dopamine. La vitamine B5 est essentielle au fonctionnement du système nerveux et en tant que coenzyme A, elle permet d'augmenter la concentration. La vitamine B9 ou acide folique est un précurseur métabolique d'un coenzyme, le tétrahydrofolatylate. Elle permet la synthèse des bases nucléiques, des purines et des pyrimidines. On la trouve dans le pissenlit, les pois chiches, les épinards et l'asperge. Vitamine B12. On appelle aussi la cobalamine, a des fonctions psychologiques, agit au niveau du système nerveux, synthétise les globules rouges et est important dans les divisions cellulaires. On la trouve dans les viandes, le poisson et les œufs. Et enfin le manganèse pour la formation des os, le métabolisme des acides aminés, des glucides et du cholestérol et que l'on trouve dans les moules, les noisettes, les céréales, les flocons d'avoine. La bonne nouvelle, si vous n'avez pas une alimentation assez diversifié et qui vous permet d'avoir tous ces éléments. Je pense souvent aux personnes véganes qui n'ont pas assez de vitamine B12 et qui ne vont pas avoir l'acétyl-L-carnitine. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un produit est disponible maintenant sur le marché qui comprend tous ces ingrédients. Il s'appelle Acetyrel du laboratoire Santarel et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir participer à l'élaboration de cette formule avec Jean-Charles et Nadine du laboratoire Santarel. Et si vous voulez le commander en avant-première, vous pouvez le faire en cliquant sous la vidéo ici. Et si vous voulez en savoir plus pour pouvoir effectivement mieux comprendre les neurotransmetteurs, de comprendre la dopamine, la sérotonine, le GABA, l'acétylcholine, vous cliquez ici, vous accédez à ma formation à la deuxième formation que je fais sur le foie, l'intestin, les mitochondries et la thyroïde. Une formation exceptionnelle sur le cerveau arrive dans quelques semaines avec plus de 250 vidéos et vous comprendrez tout du neurocoaching. Et enfin, sur les hormones, deux nouvelles formations qui vont vous permettre de tout comprendre le système hormonal. Cerveau, neurotransmetteur, hormones, vous avez le guide en vous pour pouvoir accéder à une meilleure vie, une meilleure santé, un cerveau à 500%, un corps à 300%, dans la fluidité, le bien-être, la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine qui permet l'ouverture d'esprit et de pouvoir voir et concevoir les choses clairement. Alors je vous souhaite une excellente journée remplie de dopamine, de sérotonine et d'acétylcholine.